Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une nouvelle leçon d'orthographe, identifier le son k et ses différentes graphies. Barre l'intrus dans chaque série. Dans cette première activité, il sera question de barrer l'intrus dans chaque série. Cage, chocolat, curieux et si. Alors regardez. Cage, chocolat, curieux et si. L'intrus, si. Raccourci, occasion, vaccin, accusé. L'intrus, c'est raccourci. Casque, question, liquide, équateur. Regardez. Donc l'intrus, c'est casque. Bon, lac, parc, arc. Sac. Bon, je ne prononce pas cette lettre, donc c'est l'intrus. Chaos, orchestre, riche, écho. Donc, l'intrus, je pense que vous l'avez trouvé, c'est riche. Deuxième activité, complète avec K, C, Q. Le fabricant. Avec la lettre C, à fabriquer, QU, 40, QU, tapis multicolore, la lettre C. Regardez, le fabricant a fabriqué 40 tapis multicolores. On aurait dû l'écrire ici, mais la place manque. J'ai remarqué ton joli cartable. J'ai remarqué que ton joli cartable, la lettre C. Notre équipe a remporté la victoire. Alors, équipe QU, équipe a remporté la victoire avec la lettre C. Le public avec la lettre C a applaudi les vainqueurs. Les vainqueurs. Il a battu un nouveau record avec la lettre C. Cette piqûre, Q. Cette piqûre. Alors ici, que l'on regardait ici, j'ai déjà la lettre U. Donc, cette piqûre est douloureuse. Cette piqûre est douloureuse. Dans la troisième activité complète par C, 2C, Q, QU ou K. Les branches craquent. Alors ici, Q, U. Ils nous accueillent, 2C, c'est le verbe accueillir chaleureusement. Le skieur avec la lettre K a été acclamé. Acclamé avec 2C par le public. Par le public. Alors ici, nous allons corriger ce mot. Regardez, public. Ils ont oublié la lettre B. Alors, public avec la lettre C. Il a acheté un kilo. Un kilo. K. De haricots avec la lettre C. D'haricots. Au marché du quartier, bien sûr, Q, U, du quartier. Quatrième activité, écrit convenablement le son K, contenu dans les mots des phrases suivantes. Le pêcheur a une grande barque. L'orchestre joue de la musique. Alors, l'orchestre, voilà comment je l'écris. Regardez, S-C-H. Je prononce que l'orchestre joue de la musique. Q-U et la lettre E. L'orchestre joue de la musique. Pour faire l'autoroute, les ouvriers ont taillé le roc.
avec la lettre C. Je n'ai pas compris. C'est le verbe comprendre avec la lettre C. La quatrième, regardez. La quatrième question. La quatrième question. Il a acheté 5 kilos. Alors, 5 kilos de kaki. Il a acheté 5 kilos de kaki. 5 kilos de kaki. La casquette. La casquette. Regardez. Je commence par la lettre C. La casquette de mon cousin. Bien sûr, cousin avec la lettre C est noire. J'ai vu un documentaire. Documentaire, bien sûr avec la lettre C, sur un énorme aquarium. Dans un aquarium, on trouve diverses sortes de poissons. Aquarium, en Amérique. En Amérique, bien sûr la majuscule. Amérique. Q-U, Amérique. Alors, cela nous donne, il a acheté 5 kilos de kaki. La casquette de mon cousin est noire. J'ai vu un documentaire sur un énorme aquarium en Amérique. Pour la cinquième activité, place les mots suivants là où il faut. Nous avons kimono. Nous avons boutique, paquet, accueillir, coquille, orchestre, accordéon. Le judoka porte un, bien sûr vous avez deviné, tous ceux qui font du sport portent un kimono. C'est l'habit que portent les enfants qui pratiquent ce sport. Le maître va accueillir les élèves. Accueillir les élèves. Tu joues de l'accordéon. L'accordéon, c'est un genre d'instrument. Tu joues de l'accordéon avec deux C. Et moi, je fais le chef d'orchestre. Alors, d'orchestre, j'écris CH. On a été dans les boutiques. Dans les boutiques, ce sont des magasins. Dans les boutiques, on est rentré à la maison avec un tas de paquets. De paquets. Le poussin sort de sa coquille. Et pour la dernière activité, l'autodictée, entraînez-vous à l'écrire plusieurs fois. Alors, on vous en supplie, par pitié, jetez donc votre télé. N'ayez crainte, nous pouvons vous l'assurer. Au bout de quelques journées, n'ayant rien d'autre pour s'occuper, ils éprouveront le désir de trouver quelque chose à lire et je vous encourage à faire beaucoup de lectures. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.